Salut la famille, c'est Carlos Mosé, le citoyen du monde. Écoutez, je voulais partager avec vous, n'est-ce pas, ces échanges que j'ai eus et puis cette enquête que j'ai eu à mener, n'est-ce pas, sur le droit d'auteur, n'est-ce pas, la dernière distribution. Voilà. Pour dire quand même que ce n'est pas parce que Ange Bagnat a reçu 800 000 et que Beko Sadé a reçu 100 000 que Ange Bagnat est le problème. Ou alors que Ange Bagnat ne mérite pas 800 000. Je vais vous surprendre. Moi, j'ai eu Ange Bagnat parce que j'essayais de la voir avant de faire, n'est-ce pas, cette vidéo. J'ai finalement réussi à la voir. Donc, on a échangé. Je vais vous surprendre. Ange Bagnat se plaint. Elle se plaint même plus que Beko Sadé. Ce que vous voyez, Beko Sadé se plaint. Elle dit qu'elle voit, si elle voit Sam Bendé, elle va bagarrer et tout, tout là. Ange Bagnat, elle est même 8 fois plus fâchée que Beko Sadé. Ange Bagnat, elle pense qu'elle ne mérite pas 800 000. Donc ce n'est pas parce que Beko a eu 100 et Ange Bagnat a eu 800 que forcément Ange Bagnat doit être jeté en pâture, elle doit être, on doit l'insulter. Est-ce que ça vous est arrivé de penser que Ange Bagnat, au lieu de 800 000, peut-être méritait même 2 millions et que Beko Sadé, au lieu de 100 000, méritait même 5 millions? Pourquoi vous ne pensez pas comme ça? Pourquoi vous pensez seulement que non, comme elle a 800 000, Beko a 800 000, ça veut dire que vraiment, il faut la jeter en pâture, c'est elle le problème, elle ne devrait pas avoir 800 000. Non! Et puis, vous ne pouvez pas dire qu'Ange Bagnat a chanté quoi? Vous ne pouvez pas dire ça. Quand vous tapez Ange Bagnat sur YouTube, vous voyez, elle a un répertoire. Qui n'a pas dansé Johnny? Qui ne connaît pas Johnny? Je vais même vous dire que la musique de Beko, oui, c'est une grande diva et tout, mais je veux dire qu'elle est un peu en train de... Bon, elle a fait des tubes, on est d'accord, on est d'accord. Mais cette guerre de vouloir le mettre d'artiste sur le même niveau, c'est-à-dire que même quand on dit que non, Petit Pays a eu 10 millions, peut-être il méritait même plus. C'est pas parce qu'on a donné des sommes aux gens que vous allez penser que parce qu'ils ont eu plus que d'autres, forcément, il faut s'attaquer à eux, il faut penser qu'ils ne méritaient pas et tout et tout. Ange Bagnat, elle se plaint. Et violemment même. Ange Bagnat pense que 800 000, c'est insignifiant pour elle, pour 3 années quand même, et tout, alors qu'elle a chanté, elle a fait des tubes. Et encore qu'elle ne reçoit pas chaque fois. C'est rarement qu'elle reçoit. Donc, le débat de Ange Bagnat a eu beaucoup et tout. C'est pas un bon débat. Et quoique, on est tous d'accord sur le sujet. Il faut y débattre, il faut y penser, il faut donner des opinions. Mais si vous faussez l'analyse, la conclusion sera fausse. Il n'y aura pas une bonne conclusion. Donc, on est d'accord qu'il faut faire ce débat-là. Mais si l'analyse est faussée, la conclusion sera naturellement fausse aussi. Comme actuellement, les artistes qui se lèvent et tout. Pendant que vous vous levez sur Sam Bendé et tout, il est rentré, hein? Il est rentré à Bruxelles. Il est rentré à Bruxelles, il est en Belgique. Il a pris tout l'argent et tout et tout. Et puis, il ne faut même pas forcément l'accuser. Hein. Ce n'est pas comme s'il avait mal partagé. Parce qu'en même temps, Longuet Simon, bon, on salue tout le travail qui est là-bas, sur la toile, avec les aides et tout, et les dénonciations. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il se mêle les pédales. C'était l'une des premières vidéos Longuet qu'on a regardées. Qui a dit vraiment merci à Sam Bendé. Moi, j'ai reçu mon argent et tout. Et vraiment, celui qui parle mal de Sam Bendé va me porter sur son dos, va traverser sur mon cadavre et tout. Une semaine après, lui-même, tu vois. Donc, Papillon aussi a fait une belle vidéo où il disait vraiment Sam Bendé est le meilleur et tout. Bon, maintenant, c'est peut-être la manière qu'il faut questionner. Pourquoi aller donner 10 millions à Petit Pays à la maison. Pourquoi aller? Bon, peut-être qu'il y a des grands stars, des superstars et tout. Peut-être tout le monde n'est pas au même niveau. D'accord? Pourquoi aller plutôt chez Papillon de lui donner l'argent à la maison, appeler Longuet donner pour lui à la maison et d'autres leur demander, n'est-ce pas, d'aller à la microfinance décharger et tout. Bon, ce déséquilibre-là déjà cause déjà un problème. Il pose déjà un problème. Après, quand on a fini de dire ça, on se dit quand même le véritable problème qu'il faut attaquer, c'est la situation de l'artiste pour éviter ce désordre-là après. Parce qu'après, quand Sam Bendé vous dit que lui, il est expert, en tant qu'expert, il explique des choses que vous ne pouvez pas comprendre, vous d'autres artistes.
Vous ne pouvez pas. Vous ne comprenez pas. Vous êtes seulement sur l'eau. On a reçu 1 milliard, 200 millions. Ça a été partagé. Moi, j'ai reçu 100 000 et tout et tout. Mais si on rentre dans l'aspect technique ou dans l'aspect technico-artistique pour vous expliquer, n'est-ce pas, comment ça s'est passé, les pourcentages et tout, encore que la commission avait déjà quoi, 20 ou 25% qu'il fallait retirer sur le 1 million de, sur le 1 milliard 200 millions. Lorsqu'on retire les 20, 25%, il reste combien? Comment est-ce qu'on a partagé? Est-ce que... Donc, quand vous regardez tout ça, c'est très technique. Vous voyez, il va falloir repenser l'art musical, n'est-ce pas, au Cameroun. Sinon, on aura toujours le problème. Même si Sam Bendo, parce que regardez vous-même, vous pensez que Père son âme, Manu Dibango, il est arrivé là, on l'a vilipendé. Les artistes l'ont vilipendé. Sam Bendo était là, on l'a vilipendé. Donc, il y avait, quand il dit vilipendé, c'est qu'il y a toujours un mauvais, il y a toujours un camp qui est contre et un camp qui est pour. Ils sont jamais unanimes, ces artistes-là. Parce qu'après, ils vont chercher le problème ailleurs. J'entends maintenant, ils accusent le ministère, le ministre de la Culture, le ministère de la Culture, les fonctionnaires au ministère. Peut-être, les fonctionnaires jouent un jeu. Mais s'ils jouent ce jeu, c'est parce qu'ils ont la possibilité de jouer ce jeu-là. Parce que les artistes n'ont pas verrouillé. Si vous verrouillez, ils n'auront plus accès. Tant que vous leur donnez accès, c'est clair qu'ils vont jouer un jeu. Ils vont se faire de l'argent. Si vous verrouillez, ils ne pourront plus. Ils vont comprendre que non, ces gars, ils sont sérieux. Mais quand vous avez vilipendé, Père son âme, Manu Dibango, Sam Bendo était là, il y avait un camp pour, un camp contre. L'artiste, le gospel là, comment il s'appelait? L'artiste gospel, la dame, qui a même fui le Cameroun, tout ça là, son nom m'échappe. Elle aussi, il y a eu un camp pour, un camp contre. L'autre est venu, le mari de ma femme, le mari de ma femme, Roméo Dika. Pareil, un camp pour, un camp contre. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, Athée Bazor est là. Il y a toujours un camp pour, un camp contre. Même Jean-Pierre Essomé qui combat Athée Bazor actuellement, même si on lui donne la responsabilité, il y aura toujours deux camps. Alors, il faut déjà réfléchir comment faire pour évacuer ça. Et au moment où on parle beaucoup des élections au Cameroun, quand il y a élection, même les artistes doivent comprendre ça. Quand il y a élection, il y a un camp qui a gagné, il y a un candidat qui a gagné, l'autre a perdu. Celui qui a gagné, si tu n'as pas voté pour lui, aligne-toi. La majorité lui a donné. Je ne sais pas, c'est trop compliqué. Vous pensez que vous allez faire des problèmes pendant combien d'années? Regardez l'époque où il y avait, l'époque où il y avait Manu Dibango à aujourd'hui. On est à 20-25 ans. Les problèmes. Vous allez finir ça quand? Tu n'as pas voté pour quelqu'un, s'il a été élu, aligne-toi. Qui finit son mandat? C'est pas en le bousculant, en l'empêchant de travailler, comme actuellement Athée Bazor. Il n'a pas la paix. Laissez Athée Bazor travailler. La majorité a voté pour lui. La majorité a voté pour son projet. Après, maintenant, s'il n'est pas bon, attendez qu'il finisse son mandat. Et puis, venez proposer les vôtres. Mais c'est pas en le bousculant, en l'empêchant de travailler, que ça va changer quoi que ce soit. Ok, à aller fouiller les dossiers, sortir les faux papiers, dire que non, il y a un document ici qui est même faux. Vous fabriquez les papiers en Guayaquil, vous venez avec, vous fabriquez les papiers là, et tout, et tout. Ça va pas vous aider. Les artistes doivent être responsables. Ils font déjà de la bonne musique, la très bonne musique même déjà. Maintenant, si vous voulez que votre secteur soit, n'est-ce pas, assainir, ben, vous-même faites le boulot, assainissez-le. Assainissez-le. Parce qu'après, vous allez toujours avoir des problèmes et des problèmes. La chose que nous autres mélomanes demandons, et nous autres mélomanes, hommes des médias et tout, demandons aux artistes, c'est que pensez à votre statut. Tous ceux qui sont passés là, tous ceux que j'ai cités là, de Manu Dibango à aujourd'hui, à Athée Bazor, dans les programmes que j'ai feuilletés pour chacun, j'ai eu la chance de tomber encore sur le programme de Manu Dibango à l'époque. Tous parlaient du statut de l'artiste, mais personne ne l'a implémenté. Personne ne l'a n'a réglé ce problème-là. L'artiste n'a pas de statut au Cameroun et c'est un problème grave. Tant que vous n'allez pas intégrer ça comme problème grave, vous n'allez pas vous en sortir. Regardez, Longuet, avec beaucoup d'autres artistes, sont retrouvés chez Didier Yango, le roi Mwanko. Alors,
Dédé Yango a pris la... C'est-à-dire que les artistes ont un problème. Tous se plaignent de Sam Bende et tout. Ils se dirigent chez monsieur Jean, chez Dédé Yango pour penser avoir la solution. Regardez bien ce qui s'est passé. Ils arrivent chez lui. Dédé Yango prend la parole et leur dit qu'avec le système actuel, vous avez venu me voir comme le sauveur. Mais même à le système actuel, même si c'était moi qui, dont vous pensez être votre sauveur, même si c'était moi qui étais à la place de Sam Bende, ça devait être pareil. Et c'est une déclaration énorme. C'est-à-dire que vous allez vers un sauveur, il vous dit que même si c'était lui qui était là, il devait avoir les mêmes plaintes. C'est extrêmement fort comme déclaration. Mais les gens ne voient pas ça. Ils laissent la parole qu'un désir en voit donner. Ils essayent de chercher comment dire que non, si on voit Sam Bende, on va le taper. Il est en Belgique, là, à Bruxelles. Allez le taper. Allez le taper. Demandez le visa, vous payez le billet d'avion, partez le taper. On voit. Au lieu de résoudre le problème à la base, il faut résoudre le problème à la base. Il faut arrêter la prestidigitation. Il faut essayer de voir comment gérer ce problème-là. Le statut de l'artiste. Au Cameroun aujourd'hui, je vous l'ai dit, tous les domaines, mais presque tous les domaines ont un statut. Hein. Vous savez, récemment, le chef de l'État a signé même un décret pour réglementer le domaine de la police municipale, dont les vigiles. Même les vigiles, c'est réglementé. Le vigile, maintenant, porte le jaune et tout et tout. Partout, c'est réglementé. Il n'y a que les artistes qui ne sont pas réglementés. C'est les boulganjanga, comme on dit au village. C'est-à-dire que c'est les boulganjanga là-bas, c'est le désordre là-bas. Parce que les artistes qui se plaignent là, ils ne doivent pas se plaindre. On a vu les artistes aller au PMUC, faire du bruit et tout. C'est complètement illégal. Vous vous plaignez en tant que qui? Par rapport à quoi? Vous avez quel statut? Si on vous dit que okay, le PMUC vous doit combien, vous allez donner? Vous allez dire sur quelle base? Vous n'allez pas donner. Pensez votre domaine, structurez-le, assainissez-le, donnez-vous un statut. Tout le monde au Cameroun, tous les métiers, même l'informel a un statut. Même les benskineurs ont les statuts. On sait que Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, Bafoussam 1, Bafoussam 2, Douala 1, Douala. Ils ont porté les choisibles, telle couleur, ainsi de suite. On sait que l'impôt, c'est tel montant. On sait que l'assurance moto, tel montant, c'est réglementé. Les vigiles, c'est réglementé. On sait que le minimum, c'est ça. On sait qu'ils portent le jaune. La police municipale, on a donné leur statut dernièrement. Le chef de l'État a signé un décret et tout et tout. Tout le monde est réglementé, sauf vous. Alors ne vous plaignez plus. Ne vous plaignez plus. Tout ce qui vous intéresse, c'est oh, la CNPS nous doit, oh, le PMUC nous doit, oh, les brasseries nous doivent, oh, Guinness nous doit, oh, MTN nous doit. Oh, il n'y a que ceux qui vous doivent. Ils vous doivent que vous avez d'abord quel statut pour leur demander l'argent. Actuellement, il y a combien de sociétés de droits d'auteur? La CMC a pris l'argent récemment, ce qui est querelé là. Il y a la SOCAM qui est là. La loi dit qu'une seule société. Mais vous avez plus d'une société et vous vous plaignez, mais vous fonctionnez avec quand même. Arrêtez quand même. Structurez votre domaine. Il y a une autre parenthèse que je vais faire. Les artistes même qui se plaignent là. Tous là, que ce soit Longuet, tous là. Les Davis Mambo qui est très en vue actuellement et tout là. Et les Beko Sadé. Est-ce que vous savez que les artistes ne payent pas les impôts au Cameroun? Ils ne payent pas. Un artiste preste là, il prend son argent, 2 millions, 3 millions, il paye l'impôt à quel moment? Tu l'invites à un mariage, tu lui donnes 1 million, il paye ça où? Il paye l'impôt où? Il prend une main dans sa poche, ni vu ni connu. Et après, il vient se plaindre. Vous n'avez pas de statut. Créez-vous un statut, payez les impôts d'abord. Vous ne payez pas les impôts. Vous ne payez pas les taxes. Vous ne payez pas les taxes. Donc, ne vous plaignez pas seulement quand on vous donne l'argent. Vous ne payez pas les impôts. C'est ça qu'on dit votre statut. Quand votre statut va être clair, même les impôts, vous allez payer. Et là, maintenant, vous allez être en droit de revendiquer, n'est-ce pas, vos droits. Parce qu'actuellement, vos droits, vous ne regardez que c'est ceux qui vous doivent, c'est que les grosses boîtes qui vous doivent et tout et tout. Est-ce que vous avez pensé qu'il faut que vous payiez aussi les impôts? Pensez que le pays va évoluer avec quoi? Vous devez payer les impôts vous aussi pour qu'on avance. Donc, il faut y penser. You guys need to think about. Parce que c'est extrêmement important. Et après ça, quand vous allez avoir un bon statut, allez, les choses vont aller. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pensez à votre statut, réglementez-le. Et puis, après, vous allez naturellement demander vos droits et les choses vont changer par vous-même.
pas par quelqu'un d'autre. Les fonctionnaires du ministère ne vont plus rentrer dans votre société. Ça va être un peu plus clair. OK? Ça va être un peu plus clair for everybody. D'accord? Donc, il faut y penser. C'est ce que je voulais apporter comme réflexion. Donc, évitez de tirer sur vous. Parce que c'est encore vous déchiqueter pour rien. Interpeller, dire ça, mener, monter, descendu. Oh, petit pays a eu 10 millions. Oh, on est venu de longueur à domicile. Oh, comment on l'appelle? Ekambi Brillant, dont le nom était même, la commission portait même son nom. Oh, il n'a que eu, c'est 300 000 ou c'est 200 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, Ange Bagnat a eu 800 000. Non, Ange Bagnat, j'ai fini par là. Elle se plaint même des 800 000 dont vous estimez que c'était beaucoup. Elle pense qu'elle mérite mieux. Et je crois qu'elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort parce que ce n'est pas parce qu'elle a eu beaucoup que forcément elle est le problème. Elle revendique même beaucoup. Pensez aussi que peut-être pour avoir 2 millions et que d'autres pour avoir même les 4-5. Mais que pour elle aussi petit. Pas parce qu'elle a eu 800 000 que forcément pour elle est beaucoup. Voilà, donc sachez qu'elle se plaint aussi. Voilà, le moment venu, elle va se prononcer. Elle va se prononcer. Elle m'a promis une interview. On fera l'interview et vous allez la regarder. Donc, c'est important d'y penser, les amis. Et voilà, restructurer. Structurez-vous et demandez de manière légale et claire vos droits. Vous allez les obtenir. Mais tant que vous ne le faites pas, continuez dans le désordre. Là, ça va se calmer. Ça s'est calmé là un peu. Dans quelques mois, il y aura une autre répartition et on va revenir. On va revenir dans les mêmes problèmes, les mêmes plaintes, les mêmes lives, les mêmes directs, les mêmes vidéos. Et après, ça va s'arrêter et ça va recommencer à chaque fois. You guys need to think about. OK? Responsabilisez-vous, ça va vous permettre dans votre statut de penser même votre avenir. Parce que après les artistes qu'il faut faire des mains levées parce qu'ils sont malades et tout là, dans le statut, tout ça sera pensé. OK? Allez, portez-vous bien les amis et à très bientôt, merci.